Eh bien, salut tout le monde, c'est Steve tiré du 70, on se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play sur Alexandra Liderman 4, donc toujours sur la chaîne de ma petite soeur, donc elle a un peu de stress encore, hein, c'est bizarre. Bon, allez, vas-y, je te laisse. J'ai oublié aujourd'hui, il faudrait que tu montes un peu ton cheval, hein. Va dans son box et clique sur la selle. Ça se voit que t'as une tête d'arbre. Tu trouveras dans ta chambre un ordinateur. Regarde dedans, j'ai mis plein d'informations sur les chevaux. Si tu vois un ordinateur ailleurs, n'hésite pas à l'utiliser. Il pourra t'envoyer de nouvelles fiches. Et il me fait sortir et il me fait rentrer. Bon, ben, faut que j'aille là. Alors, je vais vous montrer le chemin. Oui, je vais t'entraîner sur le parcours de saut du roi de cœur. Je t'y rejoins. Va dans le box et clique sur l'icône qui représente une selle. Vas-y, go. Donc, comme vous avez pu le voir, ça fait plusieurs fois que je recommence. Sabrina et moi, on a réussi à créer quand même deux intros. Donc, si vous voulez des intros, abonnez-vous à sa chaîne. Et à la sienne aussi. Et à la mienne aussi. Et donc, je pourrais comme ça vous faire des intros. J'ai réussi à en faire une aussi pour moi. Donc la 3 était quand même pas mal, hein, quoi, oui, elle est moins longue que la mienne. Vous avez pu le voir en début de vidéo. Vous allez le voir en début de vidéo. Enfin, bah, comme on regarde la toute vidéo, c'est logique. Oh putain, hey, mais il est même pas sorti, il est déjà tout crado. Bah il se fond dans le fond aussi, le fond il est sale. Hein. À part même si je l'ai changé, mais sinon c'est bon. Ouais, c'est bon, là, c'est fini, là, il est beau. Gueule, gueule. Ah là c'est bon. Tu vas pas le laver là, tu vas le sortir en vitesse, non? Ouais. Ouais, parce que là, sinon on n'a pas trop le temps là. Oui. Alors, en plus on fait une vidéo en vitesse parce qu'on était. On n'avait pas prévu d'en faire une aujourd'hui, donc voilà. C'est là, elle a dit mais aussi, on a fait une vidéo. Je dis bon bah d'accord, allez, on y va, go. Par contre, je fais des bébés. Le parcours de saut du roi de cœur est tout droit lorsque tu sors de l'écurie. Suis les panneaux. Pour diriger ton cheval, utilise les flèches haut pour accélérer, bas pour ralentir, droite et gauche pour tourner. Oui, pour c'est bon, c'est ça. Allez, go. Alors, on va par là. Et comme vous voyez, quand on sort, eh ben, il y a deux fers avec une barre qui monte. Ça, c'est pour que son. Voilà, pour qu'il prenne son souffle. Ah, te voilà. Oh, bah, il va le temps. Hein. Bon, amène ton cheval sur la ligne de départ. Vas-y, fais-moi voir ce que tu sais faire. Bon, d'accord. Tiens le chemin au sol. Il t'aidera à choisir ta trajectoire. La flèche verte t'indique la direction du prochain obstacle. Lorsqu'elle est rouge, cela veut dire que tu ne peux plus sauter. Merde, c'est plus dur. Ah. Et là. Voilà, on va reculer. Bon bah t'as plus qu'à recommencer. Ouais, pas grave. On a dit qu'on fait une petite vidéo.
courte parce que voilà quoi, sinon elle va faire des vidéos tous les jours sans arrêt. C'est mieux que je sois comme ça. Toi, hein. Moi je fais pas des vidéos tous les jours, hein. C'est pas parce que je vais à ma console tous les jours que je suis obligé de faire une vidéo. Hein. Je fais une vidéo. Toi t'as l'ordi tous les jours maintenant. Ah. T'es nul. Oh bah toi ça ferait pas mieux alors, hein. Voilà, en même temps. Normal, c'est plus dur. Oui. Ouf. D'accord, maintenant je vais avoir quelqu'un. Qui fait chaud, voilà. Aïe. Donc je pense que là, c'était pas encore trop compliqué. Moi je trouve que c'était plutôt facile. Là, tu vas le nettoyer puis c'est bon. Ouais. C'est bon là. Alors, je pense que là on va arrêter la vidéo là. Parce que c'est bon là, on a fait un petit essai. Donc là on va juste tout nettoyer puis la vidéo va s'arrêter là. Hein? Bon, je pense qu'on va y aller tout de même là. C'est sympa. Donc c'est sur cette image de que Lucie elle a mangé à son cheval qu'on va se laisser. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao.